Bien, donc dans ces trois méditations que je vous apporte, on a parlé donc des fêtes de l'Éternel, de la Pâque cachée. Donc on a constaté ensemble qu'il n'y avait pas que Pessah qui était en Yeshua, il y avait Sukkot, il y avait Kippour. Toutes les fêtes de l'Éternel sont réunies en lui. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous une petite synthèse parce qu'on a vu ce que Jésus a fait pour nous. On a compris que ses souffrances, il les a endossées sans retenue. Et évidemment, hier, on a constaté qu'il y avait un prix à payer, effectivement, et que ce prix, c'était notre vie. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, on aille un peu plus loin encore. On peut donner notre vie, mais je vais prendre plusieurs points, parce qu'il va falloir que je sois assez concis. Et on terminera par comment s'approcher de l'Éternel pour entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, dans le Kodesh à Kodashim. Parce qu'il y a une façon d'y rentrer. Et Josué va être content parce que... Dis donc, tu me feintes comme ça, toi. Parce qu'il parlait des masques. Et Dieu va agir dans votre vie, dans notre vie, pour que les masques tombent. Parce que Dieu ne veut pas d'un chrétien ou religieux qui arrive avec son masque et son patois de Canaan. Il arrive devant Dieu, je te loue Seigneur, tu es le Messie, tu es le grand Dieu, le créateur de toutes choses. Il se tape l'orteil contre une table et puis il y a tous les jurons du monde qui sortent. 3 secondes avant, c'était le grand Dieu du monde. Mais le Seigneur va permettre aussi qu'on se tape l'orteil sur le bord de la table. De manière à ce qu'on soit vrai devant lui. Alors je ne vais pas parler beaucoup de moi parce que ce n'est pas très intéressant, mais je vais quand même vous donner un petit témoignage avant d'attaquer. Il y a une forêt qui est tout près de chez moi, ça s'appelle le bois du Duc. Alors je vous conseille de ne pas aller demander aux arbres ce qu'ils ont entendu. Parce que quand la croix agissait dans ma vie, je rechignais. Et il y a des moments où ça tabassait tellement que je prenais ma voiture, j'allais dans la forêt et je criais tout ce qu'il y avait sur mon cœur. C'était pas très joli, mais c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que là, je sortais, c'est le cas du dire, sortir du bois. Le Seigneur me faisait sortir tout ce qu'il y avait au fond de moi. Il faisait ressortir tout ce qu'il y avait de mauvais en moi. Il faisait ressortir tout ce qu'il voulait traiter par son esprit. Donc, c'est pas surprenant que vous ayez dans vos vies des choses qui vont remonter à la surface par les épreuves que le Seigneur permet, par les circonstances qu'il va utiliser, par les personnes que vous allez rencontrer, parce que c'est ça le brisement. Il est obligé de mettre à la lumière ce que vous êtes, afin que vous l'abandonniez entre ses mains. Vous passez par le feu du jugement, le Saint-Esprit traite ce problème à partir du moment où vous lui donnez l'autorisation de crucifier ce qui est montré. Et à partir de là, par la foi, vous êtes délivré. Forcément, parce que vous l'avez laissé à la croix. C'est le Etz Achayim, c'est l'arbre des vies. Vous déposez votre vie. Et à partir de là, vous vivez de la vie du Christ. C'était juste une petite parenthèse parce que quand j'entendais les témoignages, quand j'entendais les chants, je me disais, oui, il faut qu'on sorte du bois. Et un jour, Abraham, il venait de remporter une grande victoire. Il avait battu les 5 rois qui avaient pris en otage son neveu et les villes de Sodome et Gomorre. Et puis, il rencontre Melchizedek. Magnifique, un temps merveilleux, victorieux. Et l'Éternel lui pose une question étrange. Ne crains pas. Comment ça, ne crains pas? Je viens de mettre une raclée à 5 rois et tu me demandes, moi, de ne pas craindre. Et quelle a été la réponse d'Abraham? Encore plus étrange. Je n'ai pas de postérité. Il est où le rapport là? En fait, Abraham avait des victoires. Mais pour Abraham, son problème, c'était les promesses de l'Éternel. Et il savait que toutes les promesses de l'Éternel étaient conditionnées au fait qu'il ait une descendance. Et le Seigneur, en disant « Ne crains pas », l'a fait sortir du bois, en disant « Tu vois le problème de mon cœur, Seigneur, c'est que je n'ai pas de descendance. » Et Dieu lui a donné la réponse. Je voulais juste
vous de mettre ça sur le cœur en introduction. Alors, on va faire une courte lecture, si vous le voulez bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. On va plutôt lire au chapitre 1er, je pense. On va lire à partir du verset 26, donc Genèse, Bereshit, pour les hébraïsants, chapitre 1er, verset 26. Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. On arrêtera là notre lecture. La dame a été d'abord façonnée. Il est dit dans un texte que Dieu façonna son Adam de la poussière de la terre. Et ensuite, il le créa. Il y a deux verbes en hébreu. Le premier, c'est naasé. Naasé qui veut dire façonner, former, fabriquer. Et le deuxième terme, c'est bara. Et bara, ça veut dire créer ex nihilo. Donc de rien, il produit quelque chose. Donc en premier lieu, la dame a été façonnée par Dieu. Ensuite, il a été créé. Mais comment ça ? T'es façonné, t'es créé. Il a été façonné d'abord, il a reçu une âme. Et il a été créé au moment où l'esprit de son esprit est venu dans ses narines par Dieu. Quand Dieu souffla dans les narines de son Adam, il a été créé à ce moment-là. Quand un enfant naît, les chercheurs, enfin c'est pas des chercheurs, c'est des médecins canadiens, en 2016, ils ont fait une découverte assez étrange pour eux. C'est que quand ils faisaient une insémination artificielle, ils introduisent un spermatozoïde dans l'ovule. Et à plusieurs reprises, ils ont constaté qu'une fraction de seconde, un milliardième de seconde, il y avait un flash lumineux. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À chaque fois, donc, ils ont reproduit l'expérience et ils ont filmé le moment où ils étaient en train de mettre donc, le spermatozoïde dans l'ovule. Et au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, ils ont constaté qu'il y avait un flash lumineux. Ils ont baissé la fréquence de la vidéo, ils ont fait un ralenti maximum. Et là, ils ont constaté qu'il y avait effectivement ce flash lumineux. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, ça règle le problème des semaines d'avortement, n'est-ce pas ? Parce que quand il y a conception, l'esprit de l'enfant lui est donné à ce moment-là. Il est créé à ce moment-là. Donc il est une personne à part entière en esprit. Et comme la dame n'a pas de mère, il était façonné en premier et créé ensuite. Mais quand l'homme et la femme, dans cet acte d'amour qui fait qu'ils portent du fruit, eh bien, l'enfant est créé. Et ensuite, comme nous dit le roi David, tu m'as façonné dans le ventre de ma mère. Et donc, tu es un enfant à n'importe quel âge dans le sein de sa mère. C'est un meurtre. Déjà, pour commencer, c'est ça. Alors, on a un père et une mère, n'est-ce pas ? En hébreu, père, on l'a vu hier, c'est Av. Et puis mère, c'est M. Et ça va répondre aussi à une autre question, qui est celle de est-ce que le mariage homosexuel est permis par Dieu et tout ? Eh bien, l'hébreu nous répond. Av a pour valeur numérique 3. M, la mère, a pour valeur numérique 41. Si vous additionnez le père et la mère, vous avez 44. 44, c'est Yéled. Yéled, c'est un enfant. Donc l'enfant, c'est le père et la mère. Pas de père ni de mère. J'explique tout ça parce que on repart de l'origine pour arriver à comprendre que la création, toute la création, nous parle non seulement du Messie, de Dieu,
Mais maintenant, je vais vous montrer que chaque cellule de votre cœur, de votre corps, pardon, pas que du cœur, chaque cellule de votre corps prie son Seigneur et son Dieu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas. Et c'est pour ça que je trouvais étrange que le Seigneur, comme je savais que je venais au séminaire, et qu'avec Michel, on avait vu qu'on allait parler de la Pâque cachée, donc je me suis dit, bon, on va parler des fêtes de l'Éternel. Et puis le Seigneur, pendant toute la semaine qui précédait ma venue ici, c'était l'ADN. J'ai dit, là, le Seigneur, faut que je... L'ADN avec la parole, je ne comprends pas. Et moi, ce que je trouve assez merveilleux, c'est que les hommes inventent des noms qui correspondent parfaitement à ce que Dieu a fait, sans le savoir. Qui aurait pu deviner que acide désoxyribonucléique allait donner ADN, et on va le voir en hébreu. Donc, vous avez ADN. On va le transcrire en hébreu. Dalet et Anoun. Ça, c'est un mot en hébreu. Ce mot, c'est Seigneur. Très bien. Mais Seigneur seulement. Donc, tout homme qui naît a de l'ADN. Et il porte dans chacune de ses cellules le nom du Seigneur. Mais c'est juste Seigneur. Il y a des personnes qui sont nées au Moyen-Âge, quand il y avait le servage. Ils naissaient dans une province qui était gouvernée par un seigneur. Ils l'aimaient ou ils ne l'aimaient pas, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient sous l'autorité du Seigneur. Que l'homme ne veuille ou ne veuille pas reconnaître l'autorité de Dieu, de toute façon, c'est son Seigneur, qu'il le veuille ou non. Bien. Maintenant, on va continuer. Quand on est de nouveau, on reçoit l'Esprit du Christ en nous, n'est-ce pas? Et l'Esprit du Christ, il y a plusieurs choses qui nous en parlent. Premièrement, Yeshua commence par un Yud. Adonai, le tétragramme, commence par un Yud. D'accord? Il y a une autre lettre qui nous parle du Messie, c'est le Vav. Pourquoi le Vav? Parce que le symbole proto-sinaïque du Vav, c'est un clou ou un crochet. Et c'est celui qui va lier deux choses, deux éléments. Et donc Yeshua, il est le trait d'union entre les cieux et la terre. Il est celui qui fait le trait d'union entre les hommes et Dieu. Et donc il y a le Vav. Très bien. Donc on va rajouter, puisqu'on reçoit Christ, qui est le trait d'union. On rajoute... Donc là, le Noun, ça c'est un Noun final, donc on va réécrire. Et là, vous avez Adonai. Mais ça ne veut plus dire Seigneur seulement. Ça veut dire mon Seigneur. À partir du moment où on a accepté la vie du Christ en nous, qu'on a accepté le sacrifice de Jésus, du Seigneur qui est Dieu pour tous les hommes, devient notre Seigneur. Nous le reconnaissons comme le nôtre. Nous reconnaissons son autorité sur notre vie. Et à partir de là, nous avons les lettres qui correspondent à Yeshua et au tétragramme. Alors, je trouvais déjà que c'était pas mal, et puis le Seigneur m'a dit, il faut aller plus loin. Parce que je savais, moi, depuis longtemps, qu'ADN, ça donnait Adon. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me demandait, ça me turlupinait. Puis j'ai fait des recherches, et j'ai constaté une chose. Nous avons donc l'ADN qui est formé de 4 acides aminés. Et vous avez deux brins d'ADN, n'est-ce pas? Et dans ces deux brins d'ADN, vous avez des ponts, selon une certaine fréquence. Des ponts qui vont passer de certains nombres d'acides pour faire un lien entre les deux brins d'ADN, ce qui lui donne cette forme hélicoïdale, vous voyez? Et là, j'ai constaté un truc intéressant. Tous les 10 acides, vous avez un pont. Ensuite, tous les 5 acides, vous avez un pont. Ensuite, tous les 6. Et ensuite, tous les 5. Et ça recommence.
Et je me suis dit, mais ce séquençage-là, ça me fait penser à quelque chose. Alors je vais prendre les lettres hébraïques qui correspondent à cette séquence. Et vous avez ça. Ça, c'est le tétragramme. Et comment il est lu, le tétragramme, puisqu'on ne peut plus le prononcer aujourd'hui. Quand un hébreu, quand un juif, quand un rabbin monte à la Torah pour lire la Torah, quand il tombe sur le tétragramme, il ne le prononce pas, puisqu'il y a des voyelles qui se chevauchent, on ne peut pas le prononcer, il le prononce Adonai. Tout ça sont dans nos cellules depuis l'origine. Les Hébreux prononcent ça depuis 3500 ans. Nous avons découvert ça au XXe siècle. La Torah va nous expliquer en permanence que la création est basée sur le nom de l'Éternel. Il y a un autre point intéressant. Vous savez que dans l'hébreu, quand vous prenez les premiers parchemins qui nous viennent, l'hébreu a été donné, la Torah a été donnée à Moshe. Il n'y avait pas de séparation ni entre les lettres ni entre les mots. Il n'y avait pas de voyelles. C'était une ligne continue de caractère hébraïque. Question, comment on prononce ? Parce que moi, je peux avoir plusieurs lettres, plusieurs mots, et ça ne va pas dire la même chose en fonction des voyelles. Vous ne savez pas où vous devez les couper. Bereshit, Bereshit, ne serait-ce que là. Est-ce que c'est Esh ? Est-ce que c'est Bar ? Est-ce que c'est Bara ? On ne peut pas savoir. Et donc, c'est la tradition orale qui nous permet de vocaliser la Torah. Donc, quand j'entends certains de mes frères chrétiens évangéliques qui me disent « la tradition orale, c'est mauvais », je dis « sans la tradition orale, tu n'aurais pas ta Bible. » Parce que pour la prononcer, il fallait bien qu'il y ait une tradition. Alors, évidemment, au Xe siècle, les massorètes, comme il y avait la diaspora, ont décidé de faire des petits symboles. Vous voyez, les petits points, ce qu'on appelle des dagesh ou ce qu'on appelle des kamats. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans la technique de l'hébreu. Mais à l'époque, donc, il n'y avait pas ce que les massorètes ont fait. Donc, pour faire des voyelles, il y avait trois lettres qu'on appelle mater lectionis, c'est-à-dire des mères de lecture. Ces trois lettres sont le yud, le he et le vav. Ce qui veut dire que pour pouvoir vocaliser la Torah, c'était les lettres du tétragramme qui nous permettaient de le faire. Donc, non seulement le nom de l'Éternel, il est dans nos cellules, il est dans notre ADN, mais sa parole ne peut être prononcée que par son nom. Il ne peut être prononcée qu'en lui, jamais en dehors de lui. Notre existence ne peut être en dehors de lui. Notre compréhension de son être ne peut être sans lui. Il faut qu'il appose le sien d'ADN dans sa parole, nous la transmette pour que nous la comprenions. Alors je pensais que c'était la cerise sur le gâteau, ça. Et puis le Seigneur, il m'a pioché, il m'a accueilli et il m'a dit, bon, tes cellules, elles fonctionnent sur quel mode ? Elles modent sur un mode vibratoire. On est d'accord. Nous sommes faits de vibrations. Et alors je lui dis, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et il dit, mais quand tu parles en langue, c'est une vibration. Mais il y a une autre particularité, parce que je dis oui, mais Seigneur, mais quand je prie intelligemment, c'est une vibration aussi. Quand je chante, c'est une vibration aussi. Il dit oui, mais la différence, c'est que quand tu parles en langue, tu coupes ton intellect, tu coupes tes raisonnements, et tu laisses seul l'esprit agir. C'est-à-dire que l'esprit en toi vibre à la fréquence de tes cellules qui utilise le nom d'Adonai. Et qu'est-ce que dit Paul ? Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais le mot édifier ne me plaisait pas plus que ça. J'ai dit, ok, édifier, bon, c'est grandir. Et avant le moment où je devais apporter le message, je me suis dit, il faut que j'aille chercher le mot grec. Alors je suis bien moins à l'aise en grec qu'en hébreu. Et j'ai été le chercher. Et je vois que c'est oikodemo. Doméo. Et alors, ça veut dire s'édifier, mais ça veut dire aussi réparer, restaurer.
quand on parle en langue, est-ce que vous avez fait cette expérience? Un moment où vous étiez fatigué, un moment où vous étiez mal dans votre peau, où vous étiez peut-être en colère, où ça n'allait pas, et vous commencez à parler en langue, et vous sentez qu'il se produit quelque chose dans tout votre être. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu utilise le Adonai et le tétragramme pour rentrer en vibration avec chacune de vos cellules de manière à vous restaurer. Et ça, c'est la Bible. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est en nous. Alors, c'est pour ça que Paul parlait en langue plus que tout le monde. S'il n'avait pas été décapité, je pense qu'il vivait vieux. Voilà. Il faudra qu'on pose la question à Michel. Il doit parler beaucoup en langue. Tout à fait. Alors, il y a des sœurs, là, tout à l'heure, j'ai entendu dans les témoignages qui se disaient « Ah, à quoi je sers ?» ou « Est-ce que j'ai besoin d'être... je ne me sens pas utile ?» Ok. Alors, on va aller dans l'hébreu pour voir tout ça. Hein. Vous allez voir que vous allez être utile. Il y a eu des chants de consolation. On va essayer d'avoir une consolation dans l'hébreu. Parce que là, c'est la parole de Dieu. Et on ne discute pas avec ça. Alors là, je vais vous écrire Ish. Ça, c'est, on traduit par homme, mais c'est surtout le mari. Ensuite, vous avez. Alors, hop. Isha. D'accord ? Vous constatez que il y a deux lettres de différence. Ici, vous avez un yud. Le yud, c'est aussi une main. L'homme agit. Le mari est dans l'action. Le mari, c'est celui qui a autorité spirituelle, j'entends. Donc, je précise toujours, l'autorité spirituelle, ce n'est pas un adjudant-chef qui traite sa femme à coups de fouet. Pardon ? C'est la responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand votre femme pêche, c'est vous qui rendrez compte devant Dieu. Ça va calmer quelques machismes, là. Et donc, vous avez Ish et Isha. Et là, le Yud, c'est Yeshua, c'est le tétragramme, mais c'est aussi, donc, l'action, d'accord ? Et vous avez le E. Ah, le E, c'est une lettre que j'aime beaucoup. C'est une de mes préférées. Parce que le He, en hébreu, c'est He, c'est un souffle. Et donc, qu'est-ce qu'elle représente, le He ? Elle représente l'esprit. Le He, c'est la lettre de l'esprit. Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, ceux qui sont mariés. Moi, je l'ai remarqué dans ma vie, dans mon couple. Ma femme est beaucoup plus sensible à l'esprit que moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le Saint-Esprit, que je ne l'entends pas. Mais je prends cette habitude. Voilà, Agnès, j'ai ça sur le cœur. J'ai le Seigneur qui me parle de ça, ou j'ai telle chose à faire. T'en penses quoi ? Et quand je lui pose cette question, elle sait très bien que je ne suis pas en train de lui dire « Tu penses quoi humainement ? C'est bien, c'est pas bien ?» Non. Je dis « Qu'est-ce que l'Esprit te dit ?» Et alors, elle a une expression. Elle me dit « Les voyants sont ouverts. » Je dis « Ok. » Alors, je peux trancher. Et parfois, je lui dis « Tiens, au fait, tu sais, on m'a proposé... Oh, je t'arrête tout de suite, tout est rouge. » Alors là, je sais que j'ai intérêt de me calmer dans mes ardeurs. Et je prends toujours la vie de mon épouse. Alors évidemment, ça veut dire une chose aussi. C'est que la femme a été tirée du côté de l'homme. Ils étaient côte à côte, ils regardaient dans la même direction. D'accord ? Et à partir du moment où ils ont été séparés, la femme est devenue un vis-à-vis pour son mari. Face à face. Et dans le face à face, il y a le regard qui est son époux. Sur la base de l'amour. Mais pas que ça. C'est aussi, je peux être contre toi. Ça peut être aussi, là, la décision que tu es en train de prendre, tu es en train de te planter, et je ne suis pas d'accord. Et si le mari a des velléités un peu machistes, il va dire, dis donc, femme, obéis à ton homme. Et là, il va bien se planter.
Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas écouté ce pourquoi son épouse a été mandatée, c'est-à-dire qu'elle a une part de l'esprit qui lui permet d'avoir un discernement pour que lui puisse trancher et agir. Et la dame, il est complet quand il est marié. La dame, c'est pas le gars qui est là, j'ai un grand ministère, la femme, elle est juste une potiche. Tiens, regardez, j'ai amené ma plante verte. Non, non. Moi, quand ma femme est là, quand je prêche, je suis toujours en train de la regarder. Et elle sait que parfois j'ai des combats. Elle sait que parfois, vous savez, la première prédication que j'ai apportée, deux ou trois fois, la pensée que je voulais développer s'est échappée. Je sais que c'est l'ennemi qui essaye de m'enlever ce que j'ai à transmettre. Et alors quand c'est comme ça, quand je commence à voir que je perds pied même dans le moment de la prédication, je regarde mon épouse. Et régulièrement, elle est là, puis elle me fait juste un signe de la tête. Et je me dis, ok, continue bonhomme, t'es sur le bon chemin. Par contre, quand elle me fait les gros yeux, je fais gaffe. Parce qu'après, elle me donne plus à manger. Donc voilà comment Dieu nous a créés. Voilà comment Dieu, dans chacune de nos cellules, il y a son nom. Et je voudrais que on poursuive un peu sur la pensée d'hier, quand on disait qu'on allait nous abandonner à Dieu. Pratiquement tout le monde s'est levé pour demander au Seigneur d'accepter qu'on lui dépose notre vie. Et je prie avec vous de la même manière, parce que moi, il faut que je la dépose tous les jours. Et à un moment, on pense que la croix, c'est pour un temps. On va dire, j'accepte de prendre ma croix pendant 3-4 mois, et puis après, hein, cool. Et puis le Seigneur vous amène dans le texte biblique où il dit, chaque jour, vous devez vous porter votre croix, je vous charger de votre croix. J'ai dit, ah ouais, on a pris perpète alors. Exactement. C'est-à-dire que tant qu'on est sur terre, on a besoin de la croix, parce que c'est un outil utile pour nous. Alors, ça s'appelle effectivement le brisement. On a vu que le parorète, donc le voile du Saint des Saints, c'était le brisement en petits morceaux. Mais il y a une autre chose qui est très importante, et en hébreu, vous savez que donner le nom à un enfant, c'est une importance capitale. Le nom, et c'est pour ça que je reviens toujours aux noms qui sont bibliques, mais dans l'hébreu, parce que ce sont des noms qui ont été donnés par Dieu, qui ont une signification particulière. Le nom, c'est la signification de l'identité de la personne, mais c'est aussi ce pourquoi il est appelé. C'est ça. Quand je t'avais dit, Yoshua, que ton prénom était un programme. Tu me crois maintenant? Et donc, quand l'Éternel a dit à Adam, tu vas prendre autorité sur ma création, il a fait défiler tous les animaux devant l'homme pour que l'homme les nomme. C'est-à-dire que l'homme a pris autorité sur ceux qu'il a nommés. Tout comme Dieu a nommé sa création, ça voulait dire je prends autorité sur ma création, j'en suis responsable et c'est moi qui rendrai compte pour ce qui se passe. Tout comme l'homme, quand il nomme quelque chose, il prend autorité sur ce qu'il a nommé. C'est pour ça que les parents nomment leurs enfants. Ils prennent une autorité sur l'enfant. Ils disent, nous sommes responsables de cet enfant. Nous sommes responsables devant Dieu, devant les hommes, pour son éducation, pour son bien-être, pour subvenir à tous ses besoins. Nous sommes là parce qu'il est sous notre responsabilité. Ça, c'est nommé. Et le chrétien comprend une chose au bout d'un moment. Vous avez noté que les patriarches, les matriarches également, tous les personnages importants de la Torah ont changé de nom. Avraham est devenu Avraham. Sarai est devenu Sarah. Il donnait Yaakov est devenu Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés avec seulement Seigneur. Et à partir du moment où ils ont fait « mon Seigneur », c'est Dieu qui les a nommés. Et donc Dieu a pris autorité sur leur vie, a pris autorité sur eux. Et que nous dit l'Apocalypse? J'aime
pas tellement le terme apocalypse, parce qu'on pense toujours à la fin du monde, les cataclysmes et tout ça. C'est dévoilement apocalypse. Hein. C'est les Anglais qui ont mieux traduit revelation. Hein. C'est la révélation. Et qu'est-ce qu'il dit au vainqueur, le Seigneur Jésus ? Un nom nouveau. Mais pourquoi, Seigneur ? Ben parce que tu vas accepter l'autorité qui est la mienne sur ta vie durant ta vie dans la dispensation actuelle. D'accord ? Donc, si tu as déposé ta vie pour recevoir celle du Messie, si tu veux vivre selon la vie du Messie et non plus selon la tienne, si tu as accepté que Dieu te nomme déjà sur cette terre, alors tu vas recevoir un nom nouveau. Mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu me donnes un nom nouveau après ? Mais parce qu'après, il y a le millénium. Parce qu'après, il y a le règne messianique. Et donc, tu auras le nom que tu devras porter. C'est-à-dire que tu auras ton identité dans le millénium et ton rôle dans le millénium. C'est pour ça que Dieu va te donner un nom nouveau, parce qu'il prend autorité sur ta vie. Et c'est lui qui te dit où, quoi, comment, quoi faire. Et on sait déjà, moi je sais que les 12 apôtres de l'agneau, c'est-à-dire les disciples, eh bien, ils vont avoir une mission dans le millénium, parce que Jésus leur a dit, vous serez les princes des tribus d'Israël. Voilà, eux, ils ont déjà leur nom. Moi, j'attends ce qui va être le mien. Alors, le nom actuel, c'est l'ami des chevaux. Alors, je vais peut-être être celui qui garde les canassons, je ne sais pas. On verra bien. Chevaux du roi, c'est pas mal non plus, c'est vrai. Il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, parfois ça me fait un peu peur. Donc, heureusement qu'il y aura un nom nouveau quand même. Et puis quand l'humanité a décidé de se rebeller, ça a été le premier empire que l'humanité a connu. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas ? Babel, en hébreu, Babel, Babel, qui veut dire confusion. Et les hommes ont décidé d'établir une société où Dieu serait mis dehors. Bon, toute ressemblance avec les événements actuels serait que pure coïncidence. La société occidentale, on virait manu militari toutes les références à notre Dieu, de leur société, de leurs écoles, de leur système politique. Bien. Et après, on s'étonne qu'on soit dans la galère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Faisons-nous un nom. C'est-à-dire qu'on va se nommer nous-mêmes. C'est nous, on refuse toute autorité de Dieu sur nos vies et on veut que ce soit nous qui soyons nos propres dieux. Et ça, c'est le péché du jardin d'Éden. Qu'a dit le serpent, le Nahash ? Il a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras, vous serez comme des Elohim, n'est-ce pas ? Comme des dieux. Mais Elohim, c'est un nom de Dieu qui a une signification particulière. Elohim, c'est celui qui crée, mais c'est celui qui juge. Mais qui juge ce qui est bien de ce qui est mauvais. C'est lui qui détermine ce qu'est une chose, puisqu'il est créateur. Et donc vous serez des Elohim, ça veut dire, vous pourrez juger par vous-même de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et c'est la raison pour laquelle, au terme des dispensations humaines et des 4 empires humains, vous allez avoir ce que l'apôtre nous disait, ils ont appelé bien le mal et le mal bien. On a inversé la valeur des choses parce qu'on a refusé d'être nommé par Dieu, on a refusé d'être sous l'autorité de Dieu. Nos sociétés sont en train d'achever la tour de Babel. C'est pour ça que Jean était surpris. Il dit, et je vis la ville et j'étais étonné. Pourquoi ? Parce que quand Babel, il y a eu la confusion à Babel, les hommes se sont séparés et, nous dit la Bible, ils cessèrent de bâtir la ville et la tour. Et Jean, il était très au courant des enseignements hébraïques et des enseignements de la Torah. Et donc, quand dans sa vision, il voit la Babylone achevée, il se dit, mais comment ça, Seigneur ? Comment est-ce possible ?
Moi, j'ai été témoin du Messie qui est venu donner sa vie. Normalement, le monde devrait être complètement transformé. Et toi, tu me dis qu'au terme des temps, eh bien, l'humanité va achever ce qu'elle a voulu faire dès le commencement, c'est-à-dire se rebeller contre toi. Toute l'humanité sera rebellée contre toi. Et là, Jean est étonné parce que c'est quelqu'un qui a rappelé ça dernièrement dans une des réunions où il disait Israël est était en Égypte en attendant que les Cananéens mettent le comble à leur péché. Alors, qu'est-ce que veut dire la tour de Babel qui touche le ciel ? C'est-à-dire, bon, c'est encore les mythes des Bibles, là, c'est n'importe quoi ce bouquin ringard. Il faut être fou pour croire qu'une tour va toucher le ciel. Mais que voulait dire toucher le ciel ? C'est-à-dire que notre rébellion et notre péché va porter atteinte au trône de l'Éternel. Et donc, quand les nations vont avoir mis le comble à leur péché, la tour sera achevée parce que les nations auront mis le comble à leur péché et à leur rébellion contre Dieu. Il ne pourra plus y avoir autre chose qu'un jugement immédiat de Dieu, le retour de Yeshua Mashiach sur le mont des Oliviers et la destruction de l'Antichrist du souffle de sa bouche. Ça, c'est une conséquence de la rébellion de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Parce que son ADN porte la marque de Dieu. Et à vouloir rejeter Dieu de nos vies, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous détruisons notre nature. Nous détruisons ce que nous sommes intrinsèquement. Et il ne peut pas y avoir de bénédiction. Et il ne peut y avoir que la mort qui arrive à ce moment-là. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur les rebelles. Je vais parler de nous qui avons accepté Yeshua Mashiach et qui avons accepté, comme ça a été fait hier, de dire « Seigneur, maintenant je remets toute ma vie entre tes mains. » Et on constate une chose. On a vu qu'avec Pessah, on est passé par l'autel des sacrifices. C'est Yeshua qui a donné toute sa vie. Il nous propose de suivre ce même chemin. On est passé par la cuve d'eau qui nous purifie, l'eau, le sang et l'esprit. L'esprit, c'est quand on rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait la menorah. La menorah, chandelier à sept branches. Les sept esprits de Dieu, esprit de force, esprit de sagesse, qui repose sur qui ? Sur le Messie. Et elle était la lumière de la menorah avait une huile particulière. Pourquoi ? Parce que cette lumière représentait la lumière du jour. La lumière de la création. L'homme à l'origine était revêtu de la lumière de la gloire de Dieu, de cette lumière messianique. Parce que, je ne vais pas vous faire le calcul là, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir, mais vous prenez l'homme et la femme, ça vous donne 25 au carré. 25 fois 25, d'accord ? Quel est le 25e mot de la Torah ? C'est le mot or, qui est lumière. Donc l'homme et la femme, la dame, étaient revêtus de la gloire de Dieu et de la lumière de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand Adam a mangé du fruit, il a su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il avait perdu de cette gloire. Cette lumière s'était ternie, atténuée, et il a compris. Et vous savez que or s'écrit de cette manière. Lumière, c'est toujours ça. Un Yud et un Chesh. Ça, la lumière, c'est l'éternel. Vous avez le Aleph ici. Et Dieu les a revêtus de peau. Eh bien, peau, ça s'écrit comme ça. Non, c'est rien, c'est un Vav et un Chesh. C'est un Aïn, c'est exactement la même prononciation. Or, de la lumière, nous sommes passés à notre peau. Ce n'est plus la lumière qui nous couvre et qui nous protège, c'est notre chair. Et si vous prenez le symbole proto-sinaïque du Aïn, de or, chair, c'est un œil.
Maintenant, vous devez rechercher Dieu pour trouver la lumière du Christ. Et pour trouver la lumière du Christ, il vous faut vous plonger dans la Torah. Parce que la Torah est le réceptacle de la lumière du Messie. Les rabbins disent que chaque lettre, chaque mot, chaque accent de la Torah est une parcelle de la lumière du jour 1, c'est-à-dire de la lumière du Messie. Et c'est ça que nous devons retrouver. Retrouver notre identité en Christ. Mais il fallait une réparation. Lorsque le péché est rentré dans l'humanité, il y a une brisure. Ce que l'on appelle la brisure du monde, les Hébreux parlent de cela. Et on va parler du Tikkun Olam. Le Tikkun Olam, c'est la réparation de la brisure du monde. Et seul le deuxième Adam, le dernier Adam, avait la capacité de pouvoir réparer la brisure du monde. Parce que nous, on pense que la brisure du monde s'est faite entre l'homme et la femme, entre l'homme et Dieu, entre les animaux et l'homme. On voit les brisures de la création sur notre terre. Mais cette brisure s'est faite jusque dans les cieux, jusque dans les lieux élevés. Il fallait une réparation totale. Alors il fallait qu'il y ait un rédempteur qui vienne. On va maintenant, juste avant de parler du Saint des Saints, on va parler un peu de l'hébreu. Je vous ai dit hier que nos langues et nos écrits à nous, vous prenez une ligne, on va faire deux lignes, toutes nos lettres sont posées sur la ligne du bas. C'est-à-dire qu'on repose sur la terre. Le français, l'anglais, n'importe quoi. L'hébreu, c'est toujours sur la ligne du haut. Il descend. Donc c'est la langue que Dieu a donnée aux hommes pour comprendre sa parole. L'hébreu est la langue, j'ai envie de dire, de Dieu. Maintenant, on a vu ensemble que le yud représentait la main, mais était aussi la première lettre. Et vous savez que la première lettre d'un mot, c'est ce qu'on appelle le rosh, c'est la tête du mot. Elle va lui donner sa signification. Donc vous avez Yeshua qui commence par un yud et le tétragramme, n'est-ce pas? Donc vous allez avoir un yud ici. Et le yud, il descend. Il descend des cieux, il est dans les cieux, mais il commence à descendre. Et il va venir prendre chacun des hommes qui acceptent l'autorité de Dieu pour l'unir à son Dieu, n'est-ce pas? Et là, ça va devenir un vav. Le vav va se poser sur la terre. Et le vav est le fameux clou qui unit la terre, les hommes et Dieu. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Vous pouvez avoir un noun, sophit, c'est-à-dire un noun final, qui lui descend sous la ligne de la terre. Parce que Jésus, quand il est mort, il a été trois jours dans le Sheol pour prêcher. Donc ça nous parle de Yeshua. Vous avez le Yud, évidemment, le Vav et le Noun. Très bien. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui agit. Alors, on va mettre la lettre de l'Esprit, le E, et ça nous forme un nom, Yona. Et la Yona, c'est la colombe. Vous avez la colombe de Noar et la colombe qui est venue sur la tête de Jésus pour attester que c'était l'Esprit qui venait reposer sur le Machiar. Je vais vous donner mon avis personnel sur la colombe de Noar. Elle n'est jamais rentrée, n'est-ce pas? Et comme Dieu est souverain, et comme lui, il est dans l'éternité et il n'est pas soumis au temps, j'ai la conviction personnelle, ça n'engage que moi, que la Yona de Noar, c'est celle qui s'est posée sur la tête de Yeshua. Vous voyez le plan de rédemption de Dieu en Jésus-Christ? Tout est écrit. Dans l'hébreu, tout y est. On ne peut pas louper. Ah, évidemment, on va se dire, oh, c'est des hommes qui ont écrit ça. C'est pas possible. La structure biblique, la structure de l'hébreu, fait que vous bougez une lettre et c'est terminé. La structure mathématique de la Torah s'effondre totalement. Alors, on va parler du Saint des Saints. On est rentré, on a vu la Ménorah, qui est la lumière du jour 1,
qui éclaire quoi? Les 12 pains de proposition. C'est pas la traduction exacte. Hein. C'est les pains de la face. Oh, les pains de la face. C'est 12 pains qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que les 12 tribus et l'Israël tournaient leur face devant la lumière du Messie. Et alors, vous pouviez accéder à l'autel des parfums, qui est l'autel de l'obéissance. On pourrait parler de chaque élément, mais alors là, on attendra que Michel se réveille et se dira « mais je vais prêcher normalement ce soir, donc je ne peux pas vous en parler là, maintenant, ça serait trop long ». Mais sachez que l'autel des parfums, c'est l'autel de l'obéissance. Et donc, le voile étant déchiré, maintenant, le saint des saints et le lieu saint forment une seule et même pièce. Pour celui qui accepte une chose, de mourir à soi-même, de tomber les masques, d'être vrai devant Dieu, de ne pas chercher à se sentir supérieur, de se sentir bien, de se sentir mieux que les autres. On vient de manière vraie devant Dieu. Seigneur, je suis indigne. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que Jésus n'a pas attendu que je lui demande pardon pour me proposer son rachat et son amour. Je n'étais pas encore né. Mais déjà, Jésus était là en train de dire, Philippe, je te porte en moi sur la croix. Et je vais t'apporter mon salut, je vais t'apporter ma vie. Et je vais te rendre participant à ma gloire. Maintenant, à la place de Philippe, vous mettez votre nom. Et Jésus vous dit exactement la même chose. Je suis venu, je t'ai porté sur la croix, je t'ai engendré par mon sang, par mon esprit, et je veux prendre autorité sur toi. Est-ce que tu l'acceptes? Et alors, on a déposé notre vie devant le Seigneur, mais il y a peut-être aussi encore un point qu'il faudrait aborder, c'est notre motivation. Moi, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré ces derniers temps. Il y a quelques temps de ça maintenant. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu acceptes de rentrer dans le Saint des Saints? Pourquoi tu désires rentrer dans le Saint des Saints pour être au cœur à cœur avec moi? Alors au début, c'était, Seigneur, si je suis émondé, mon service pour toi sera meilleur. Seigneur, si je suis émondé, je vais voir les victoires dans ma vie. Seigneur, si tu m'émondes, si l'œuvre de la croix s'accomplit, je vais me sentir bien, entre guillemets, dans ma vie chrétienne. Et le Seigneur ne rejette pas cette motivation-là, parce qu'il sait très bien que même cette motivation-là, qui n'est pas complètement selon son cœur, va être elle-même émondée par l'Éternel. Et j'ai compris depuis quelque temps maintenant que ma seule et unique motivation, Seigneur, c'est d'être juste en communion avec toi. En fait, c'est pas le service qui est important. C'est pas le fait que je vois la victoire dans ma vie qui est important. C'est le fait que mon cœur batte au rythme du cœur de mon Père. C'est ça l'important. Que mon cœur batte au rythme du cœur de mon Père. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il devient l'objet de mon attente. Il devient l'objet de mon espérance. Il devient l'objet de mon amour. Il devient l'objet de tout ce que j'attends de la vie. Il devient mon tout. Je fais donc de l'Éternel mes délices. Et tout le reste, il me le donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur, qui bat au rythme du cœur de Dieu, eh bien, il ne peut pas avoir d'autres pensées et d'autres envies que ce que le Seigneur veut. Alors fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'il battra au rythme du cœur de Dieu. Mais certainement pas, ah Seigneur, j'accepte de rentrer dans le Saint des Saints parce que comme ça, j'aurai ce que j'ai envie. C'est pas ça. C'est un abandon total. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, nous rentrons dans un repos. Le repos. On parlait de la menorah tout à l'heure. Bon, je vais effacer parce que. Donc la menorah du temple, c'est le chandelier à 7 branches qui est les 7 esprits de l'Éternel. Donc menorah, décidément.
Voilà, vous avez un mem, un nun, un resh et un he. Vous savez comment on dit repos? C'est pas Shabbat. Hein. Oui, mais il y a une racine de Rephidim. Repos se dit menorcha. Et ça s'écrit comme ça. Il y a une lettre qui change. Là, c'est un resh pour la menorah du temple. C'est-à-dire que c'est la tête, c'est le Messie qui nous éclaire, qui nous apprend, qui nous éduque. Et ici, non, j'ai fait une faute. Oh, j'ai fait une faute d'hébreu. Dramatique. Ouais. Mais moi, là, moi, je l'ai vu. C'est un ret plutôt. Non, parce qu'autrement, ça casse toute ma cabane. Et ça, donc, c'est une lettre qui ressemble au hé, mais c'est un ret. Et ça se prononce ra. Menorah, menorah. Donc là, c'est repos. Pourquoi c'est le repos? Le ret, qu'est-ce que c'était ça, son symbole proto-sinaïque? C'était une barrière, c'était un enclos. Quel était le lieu sur la terre au début de l'humanité qui était délimité par Dieu pour que l'homme puisse s'y ébattre? Voilà. Quand vous acceptez d'être rentré dans le Saint des Saints, vous êtes replacé dans le Jardin d'Éden. Et le Seigneur a mis une barrière autour de votre vie de manière à ce que vous puissiez vous ébattre dans son jardin pour apprendre de lui. Et pourquoi je dis vous pouvez vous ébattre dans son jardin pour apprendre de lui? Parce que Gan Eden 53, valeur numérique, et c'est Torah. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le jardin d'Éden, vous vous promenez dans la parole de Dieu. Et il est dit que l'Éternel aimait l'homme, aimait la dame, et il venait tous les soirs. Vous avez tous lu ça, hein? Tous les soirs, il venait. Mais le mot hébreu, c'est « il venait du soir au matin et du matin au soir ». Il ne quittait pas le jardin. Il était en permanence avec son Adam. Il est en permanence avec vous. Quand vous pensez que les circonstances de la vie sont en train de vous laminer, vous détruire, que la croix devient de plus en plus lourde, vous avez l'impression qu'elle est de plus en plus lourde. Et vous dites « Seigneur, tu es où ?» Il dit « Je suis là ». J'ai toujours aimé cette image. Vous savez, il y avait deux traces sur une plage. Vous connaissez tous ça? Et au moment où c'est dur, il n'y a plus qu'une trace. Seigneur, t'étais où? Mais je te portais, mon enfant. Ce n'est pas tes traces que tu vois sur le sable, c'est les miennes. Seigneur, tu es où? Mais je suis sur la croix, mon enfant. Tes luttes, tes combats, tes craintes, tes angoisses, je suis en train de les porter, là. Pourquoi? Parce que dans les cieux, dans les eaux d'en haut, qu'a vu Jean? Qu'a vu Ézéchiel? Je voyais comme un agneau immolé sur un trône. La croix est de toute éternité. Elle est encore œuvrante aujourd'hui. La délivrance est pour vous aujourd'hui, pas demain. Vous pouvez être totalement délivré maintenant. Mais c'est vous qui croyez. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez appliquer cette délivrance, cette libération? Qu'est-ce qui va faire que vous allez rentrer dans le Menorha de Dieu? C'est votre foi. La circonstance vous dit tu es fichu, tu es perdu. Tout va aller de mal en pis pour ta vie. Et la Bible te dit ne crains pas, mon enfant. Ne porte pas des regards inquiets autour de toi. Qu'est-ce qu'on confesse? Ce que l'on voit, ce qui paraît criant de vérité, ou ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que notre cœur bat au rythme du cœur de Dieu qui dit « Ne crains pas mon enfant, tu es dans ma menorah » Ou est-ce qu'on dit « Non, les tourmentes que Satan met dans ma vie sont la vérité parce que je les vis » C'est notre confession de foi qui va déterminer ou non si nous sommes délivrés pratiquement ou non. Confessons la parole, même si on ne le voit pas. Yaakov, à un moment, disait « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Votre crainte produit un fruit démoniaque. Il ne faut pas croire au mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge, c'est la seule arme qui lui reste.
C'est la seule arme qui lui reste. Mais par contre, il l'utilise bien. Parce que combien de chrétiens sont paralysés dans leur vie? Parce qu'ils sont perdus dans la terreur, dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Et se disent, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Mais comment je vais faire? Est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Tout ça, ce sont des traits enflammés que l'ennemi vient essayer de planter dans votre vie. Rejetez-le avec le bouclier de la foi. Non, je ne veux pas de cette parole de mensonge. Parce que toute la parole me dit que je suis sous l'autorité de Dieu. Il m'a nommé. Son nom crie dans mon être entier. Chacune de mes cellules prie. Mon Seigneur Adonai. Et quand je chante en langue, quand je prie en langue, à ce moment-là, l'Esprit prend le relais et vient restaurer non seulement notre vie spirituelle, mais notre vie physique aussi. Vous avez des douleurs? Priez en langue. Laissez l'Esprit agir. Laissez-le agir. Quelle délivrance! La délivrance de notre Seigneur est totale, complète. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand il a dit « tout est accompli », c'est « tout est parfaitement accompli ». On n'a pas à rajouter, on a juste à rentrer dedans. On a juste à pénétrer dans le Saint des Saints. Parce que nous sommes éclairés par la Ménorah. Et donc quand on rentre dans le Saint des Saints, nous rentrons dans le Ménorah de Dieu. Nous rentrons dans le Jardin d'Éden. Nous retrouvons la place qui est la nôtre dès l'origine. Vous savez comment on dit paradis en hébreu? Gan Eden. Quand le brigand est mort sur la croix avec Jésus, il lui a dit, je te le dis en vérité, donc c'est Amen, ve Amen, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le Gan Eden. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, il est traduit en grec, bien sûr. Mais quand on connaît un peu la culture et la langue hébraïque, on réalise que sous le grec, il y a un substrat hébraïque. Parce qu'il y a des expressions qui ont été traduites mot à mot en grec, mais qui sont des expressions que l'on trouve dans les prières des juifs, dans les sidours. Et ça, les Grecs ne l'ont pas inventé. Et même si c'est traduit en grec, c'est dans la pensée hébraïque, parce que ceux qui l'ont écrit étaient juifs. Et donc quand il est dit le paradis, c'est le Gan Eden. Nous retrouvons la place pour laquelle nous avons été créés. Mais on peut se dire, ah ben le Gan Eden, c'est quand le Seigneur va revenir, qu'il y aura une nouveau ciel et une nouvelle terre. Non, on a déjà les prémices, on a déjà les arts. Vous pouvez déjà vivre dans la Ménorah de Dieu parce que vous êtes réconcilié avec lui. Et qu'en laissant la vie du Christ agir en vous, automatiquement vous êtes déjà en esprit dans le Gan Eden. Ah, ça fait parler à quelque chose ça. Parce que là on parle beaucoup de la mort. Hein. Vous devez mourir à vous-même, hein, si on n'aime pas. Il faut mourir à nous-mêmes. Mais après la mort, il y a quoi? Et après la résurrection, il y a quoi? Il y a la gloire. C'est la raison pour laquelle, en esprit, nous sommes déjà dans le Gan Eden. Nous sommes déjà dans le Gan Eden. Et nous attendons quoi? Bien, nous attendons qu'en fait, Adon, parce qu'aujourd'hui, on a toujours l'ADN qui est Adon, n'est-ce pas? Pratiquement. Eh bien, quand on va revêtir notre nouveau corps, notre corps de gloire, là encore, c'est mon avis personnel. Mais je ne serais pas surpris que notre ADN devienne Adonai. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes une nouvelle création. Parce que vous passez d'ADN à Adonai. Vous êtes donc une nouvelle création. Et c'est ça la réalité du baptême. Et j'en terminerai par là. Quand vous plongez dans les eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez des eaux d'en bas qui ont été souillées. Vous savez que quand le déluge est venu, vous savez qu'on emploie, je fais juste une petite digression, on emploie beaucoup de mots hébreux en français. Quand on dit que quelqu'un est maboule, ben on dit que quelqu'un est déluge. Parce que déluge, c'est le maboule en hébreu. C'est tout est détruit. Donc quand on est maboule, c'est que la tête, elle n'est pas bien faite. Quoi. Et donc, vous avez le mot littéral en hébreu veut dire et des cheminées, là, c'est traduit par les écluses des cieux s'ouvrir, c'est des cheminées entières d'eau d'en haut. Qui sont tombés sur la terre. Pourquoi? Parce que les eaux d'en haut venaient pour purifier les eaux d'en bas. Vous savez que le pays d'Israël représente ça aussi?
Au nord, vous avez le lac de Tibériade. Vous avez le Jourdain et vous avez la mer morte. Les eaux d'en haut viennent purifier les eaux d'en bas. Et Yeshua Mashiach a été descendu des eaux d'en haut. Alors il est sorti du Jourdain. Ça, c'est les 12 pierres qui ont été sorties du lieu du Jourdain à Gilgal. Et puis il nous a plongé dedans pour que nous soyons dans les eaux d'en haut. Et vous avez remarqué que quand le Jourdain s'est ouvert, les eaux se seront épandues jusqu'à une ville. Comment s'appelait cette ville ? Adam. Les eaux d'en haut sont pour l'Adam, sont pour vous, sont pour moi. Nous sommes purifiés par elles. Les eaux d'en haut, c'est quelque chose qui est fermé. On ne peut pas les comprendre. On ne peut pas les saisir. Seule la révélation de Dieu peut nous le faire comprendre, nous le faire saisir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est né d'une vierge. Parce qu'on pourrait dire, ah, ça fait miraculeux, ça fait plus joli, ça fait plus romanesque. Mais ce n'est pas pour ça. Parce que Mayim, les eaux, ça s'écrit comme ça. Ici, c'est les deux mêmes lettres. Mais ici, vous avez une lettre finale, une lettre sophite. Vous remarquez que la lettre même, la lettre même, c'est les eaux. Hein. Le symbole proto-sinaïque, c'était ça. C'est de l'eau. C'est une lettre ouverte. Parce que c'est notre réalité. Nous la connaissons. Et quand Jésus a eu les mains crucifiées, le Yud, il nous a fait rentrer dans des eaux fermées que nous ne pouvions pas atteindre. Ça, c'est les eaux d'en haut. Seul Dieu peut se révéler. Et quand il est né de Marie, Myriam, Myriam veut dire les eaux amères, hein, en hébreu. Il est venu dans les eaux amères, mais il était obligé de venir dans une matrice fermée, parce qu'il venait des eaux d'en haut. Et il a ouvert les eaux fermées pour nous les révéler. Et quand les eaux d'en haut se sont ouvertes, quand Myriam a donné naissance à Yeshua, la révélation du Père par le Fils est vaine, nous a été donnée. La révélation de Dieu et de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde nous a été révélée, nous, dans notre réalité, en Jésus-Christ, en Christ à Mashiach, Yeshua à Mashiach. Et quand vous êtes dans les eaux du baptême, vous sortez des eaux d'en bas. Vous êtes purifiés par les eaux d'en haut. Et vous voyez que dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit, la terre était informe et vide, et là, l'Esprit de l'Éternel virevoltait, littéralement, au-dessus des eaux. Eh bien, croyez-moi, quand vous prenez votre baptême, l'Esprit de Dieu virevolte au-dessus des eaux de votre baptême et vous ressortez en étant une nouvelle création. Voilà ce que fait Dieu pour vous. Voilà ce qu'a fait Dieu pour nous. Il a tout parfaitement accompli. Nous sommes totalement, entièrement restaurés par notre Seigneur. Alors, quelle doit être notre position ? Une position, premièrement, d'acceptation. J'accepte ton chemin, Seigneur. Et mon désir, c'est que mon cœur batte au rythme du tien. Mon désir, c'est que je fasse de toi mon seul objectif. Après, comme tu vas faire ce que tu veux avec moi, eh bien, tu vas nourrir mes frères. Quand vous faites de Jésus, quand vous faites de Dieu votre seul et unique objectif, alors vous êtes entre ses mains. Il bénit votre vie, celle qu'il a implantée en vous. Il la rompt et il la distribue autour de vous. Et vous avez un service qui est glorieux, non pas parce que vous êtes capable, mais parce que Christ le fait pour vous. Vous voulez être témoin du monde ? Regardez l'armée de Gédéon. L'armée de Gédéon avait des lampes allumées dans des jarres de terre. Et pour pouvoir vaincre l'ennemi, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Briser les jarres. Nous sommes les jarres de terre. Nous avons besoin d'être brisés afin de révéler le joyau qui a été placé en nous, la lumière du jour 1 qui a été placée en nous par le Saint-Esprit, qui est la lumière du Yeshua Mashiach. Et à ce moment-là, qu'est-ce que voit le monde ? Une jarre de terre ou la lumière du Messie ?
Le monde verra la lumière du Messie dans la mesure où nous serons brisés. Le brisement est une grâce. Alors je vous dis à tous, l'ère, les shalom, qui veut dire aller tous dans le shalom, c'est-à-dire la paix, la miséricorde, la bénédiction de l'Éternel. Et je vous propose de prier ensemble. Père Céleste, au terme de ces méditations où nous avons voulu te connaître davantage, nous avons cherché ta pensée, nous avons désiré apprendre de toi. Seigneur, ces paroles ont été apportées dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que par ton esprit, elles portent du fruit maintenant. Parce que si c'est simplement pour avoir de la connaissance, cela ne sert de rien. Seigneur, fais descendre ces paroles dans nos cœurs, dans notre esprit, afin qu'elles prennent vie et que tu puisses être glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.